Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc nous sommes le lundi 21 décembre et comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de vlogmas numéro 19 et numéro 20 pour la simple et bonne raison que j'ai passé le week-end chez mes parents à pas faire grand chose. Très clairement, je me suis reposée, j'ai profité de ma famille un petit peu et j'avais pas spécialement envie de vlogger. Surtout que j'avais rien à vlogger parce que comme je vous ai dit, j'ai vraiment passé la journée chez moi, en famille, et que je pense que j'avais vraiment besoin d'éteindre ma caméra de vlog après le dernier prime de Danse avec les Stars, parce que bah effectivement j'étais triste, etc. Je vais pas vous le cacher, je pense que j'avais vraiment besoin de me retrouver en famille après ça, parce que mine de rien en fait c'est là où je m'en suis pas vraiment rendu compte quand j'ai commencé Danse avec les Stars, c'est que je m'étais pas rendu compte à quel point ça allait être difficile une fois que ça allait s'arrêter. Que je gagne ou que je perde d'ailleurs, franchement c'est la même chose. Quand on passe 3 mois de sa vie à faire 6 heures, 7 heures de danse par jour, qu'on voit toujours les mêmes personnes, etc. et que du jour au lendemain ça s'arrête et qu'on nous enlève tout ce qu'on a eu pendant 3 mois, et bah c'est là où on se rend compte que c'était un peu comme une grande colonie de vacances et qu'on s'en va et qu'on sait pas spécialement si on va revoir les personnes avec qui on était, si voilà, on est un peu dans le doute. Donc j'avais vraiment besoin de ces 2 jours pour me reposer, pour penser un peu à moi et pour me retrouver en famille. En tout cas ça m'a fait beaucoup de bien, mais du coup je reprends les vlogmas aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez absolument rien raté de mon week-end, puisque ce qui s'est passé c'est que du coup quand j'ai été éliminée vendredi soir, le samedi j'ai fait mes affaires et je suis partie de mon appartement à Paris pour tout simplement revenir chez mes parents, ce qui fait que là devant moi il y a un bordel pas possible. Je vous montrerai ça juste après parce qu'en fait il a fallu que je rende l'appartement à Paris. Je vous ai fait quelques images d'ailleurs de l'appartement vide à Paris que je vous mets maintenant si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai quand même pensé un petit peu à vous ce week-end. Je vous ai filmé quelques plans de mon petit déménagement en voiture. On s'est fait 5 heures de voiture avec mes parents, avec toutes les affaires. C'était fun. Il y a quand même plus fun dans la vie, mais c'était sympa. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc aujourd'hui, le programme c'est quoi? Donc là, il est midi. Et je n'ai toujours pas fait mon shopping de Noël, j'ai toujours rien acheté pour ma famille, donc c'est la catastrophe. Donc en fait je vais y aller aujourd'hui, sachant que demain mardi je remonte à Paris, puisque mercredi il y a la finale de Danse avec les Stars et on doit être présent. Donc je vais y aller, et Noël je le passe cette année à Paris. Donc voilà pour ça, je vous vloggerai ça bien évidemment. Et j'ai autre chose à vous dire dans cette vidéo, mais que je vous dirai plus tard dans la journée, je pense, pas tout de suite. C'est assez important et voilà, il faut que je vous en parle. Donc voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien pour vous, que vous avez déjà fait vos courses de Noël. En tout cas moi j'ai pas mal de choses à ramener dans mon autre appartement, parce que là je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble en fait, le bordel. J'ai piqué la chambre de ma soeur et j'ai absolument mis là, c'est la catastrophe. Je vous cache pas que c'est la catastrophe, donc en fait tout ça, en plus cette grosse valise etc, plus tout ça, c'est la totalité des affaires que j'avais accumulées dans l'appartement à Paris. Donc autant vous dire que ça fait beaucoup de choses et qu'il va falloir que je fasse le tri, voilà, parce que là il y a beaucoup de choses et je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Déjà pour trouver des vêtements ce matin, c'était la blague, mais en fait comme j'aime pas trop quand il y en a partout, ça a tendance à très vite m'énerver, donc il va falloir que je range plutôt rapidement. Bon, du coup on va ouvrir les calendriers de l'avant, donc celui de l'Occitane pour le 19 que je n'ai pas encore ouvert. Alors dedans c'est un
petit baume pour les lèvres qui est trop mimi. Alors celui-là il est vraiment adorable. Hop, donc voilà pour le 19, on va enlever ça. Ensuite le 20, donc là on a un petit gel douche à la verveine. Ceux-là c'est mes préférés, ils sentent vraiment trop trop bon. Et ensuite donc nous sommes aujourd'hui le 21. Et dans le 21 il y a, qu'est-ce que c'est ? Des petits autocollants de Noël. Hop. Donc ensuite dans le Durance, le numéro 19. Ça sent assez fort quand même. Je suis en train d'essayer de deviner ce que ça sent. Ça sent encore. Non, celui-là ça va, j'aime bien. Ça sent un peu le musc, tu sens ou pas ? Ah oui. C'est agréable, non ? Ça j'aime bien. Oui. Non mais ça, on connaît que ça. Mais oui, ici on connaît que ça, c'est ça que je te dis. C'est une odeur que j'ai l'habitude de sentir à la maison, mais je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas un peu de cannelle aussi là-dedans ? Regarde ce que c'est. Moi, avec mes yeux d'aveugle. Je peux pas lire. Ah putain, tu peux pas lire. Écrit bois précieux. Ah oui, parce que ça doit être un peu. Mais le truc il faudrait de que je regarde. Alors attends, c'est marqué là peut-être. C'est même pas écrit. Bois précieux. Faut que j'aille regarder sur internet ce qu'il y a dedans. Parce que vraiment, je me demande ouais, ce que mais c'est. Il doit y avoir... Ensuite, le vin. Mais c'est vrai que c'est bientôt la fin. Ah oui, c'est bientôt la fin là. Ça. Mais ça met. Moi j'aime pas du tout. Ça sent un peu comme comme les altoïdes à la cannelle. Je sens. J'assure. Quoi? Ah oui les. Ah tu trouves les bonbons là? Ouais. Mais j'aime pas ça du tout. Mais... délices de spéculoos. Ah merde. Non mais surtout que moi j'adore le spéculoos. Mais là non c'est. Et c'est marrant parce qu'en fait je l'ai déjà eu. Je l'ai déjà eu dans un des en fait il... Non mais dans celui-là il y en a plusieurs qui sont les mêmes. Et celui-là. Oh non, alors celui-là non. Alors là, bleh. Ah non. Ah toi non plus. Ça sent quoi? Lait de figue. Ah bah déjà la première fois que je l'avais senti, j'avais dit non, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. Oh non. J'aime la figue, mais lait de figue, non. Bon, allez, on va aller les faire brûler dans le salon. Certainement pas dans ma chambre. Coucou tout le monde, donc là on sort du restaurant et on va aller rue de la République pour aller faire le shopping de Noël que j'ai toujours pas commencé. Noël c'est dans 3 jours. Bref. Si. Est-ce que je peux partir en sens? Tu vas aller à droite là? Oui, ouais. Parce que là t'étais à contresens. C'est bien, on va avoir un accident avant même d'arriver. Bref, je vous dis à tout de suite. Tout le monde, donc là quelle heure il est? Il est 17h47 et on vient de finir de faire les achats de Noël, enfin partiellement parce que moi il y a plein de choses que j'achèterais à Paris parce que c'était noir de monde,
C'était horrible. Moi je sais pas comment est-ce que les gens peuvent aller avec leurs enfants faire les courses de Noël. Je voyais des dames avec leurs poussettes et leurs 40 enfants, je me disais mais comment c'est possible. Moi, je sais qu'à un moment quand t'as pas le choix, mais mon dieu, mais c'était terrible quoi, c'était terrible. Je suis allée faire un tour chez Emma, dans le nouveau Emma qu'ils ont ouvert à Lyon. Et bah j'ai rien acheté parce que honnêtement il y avait tellement de monde que j'ai fait un aller-retour et j'osais même pas m'arrêter en fait dans les rayons tellement c'était mort de monde. En même temps je pense que c'est un peu de ma faute aussi de m'y prendre aussi tard pour faire les cadeaux de Noël, mais j'avais souvenir que l'année dernière il n'y avait pas eu autant de monde et que j'y étais allée plus tôt, donc nota bene pour moi-même, l'année prochaine y aller en plein milieu du mois d'octobre, comme ça je ne referai pas cette espèce de rush infâme de faire les courses de Noël 3 jours avant Noël quoi. C'est la plus mauvaise idée de l'année. Bref, donc là on va rentrer et puis je vous retrouve là-bas. Regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui. Comme c'est cool. Tchala ! C'est mon silver bouton pour Enjoy Cooking. Hop, regardez. C'est pas trop cool ? Je suis trop contente. J'avais complètement oublié que je l'avais commandé et du coup c'est trop cool de voir que je l'ai reçu quoi. Ça fait trop plaisir. Ah voilà. Bon bah là il est 19h, je vais aller dîner et moi je vous retrouve tout à l'heure. Bisous. Coucou tout le monde, donc là on s'apprête à aller manger mais avant ça il fallait que je vous dise quelque chose dans ce vlog parce que ça ne pouvait plus durer, enfin là je pense qu'il était vraiment temps que je vous le dise. Donc comme vous vous en doutez probablement, vous avez bien vu que dans les vlogs je n'étais plus avec Anil, je ne lui parlais plus, on ne se parlait quasiment pas, etc. On ne parlait pas l'un de l'autre. Donc vous vous en doutez, nous ne sommes plus ensemble, nous nous sommes séparés. Et on attendait un petit peu avant de vous en parler bah, pour savoir déjà tout simplement ce qu'on allait vous dire. Et puis voilà, se mettre un peu d'accord sur pas mal de choses. Et puis attendre que moi je termine Danse avec les Stars pour que je sois plus tranquille à l'idée de vous l'annoncer, parce que mine de rien c'est quand même quelque chose de gros, mais bon voilà, ça s'est décidé il n'y a pas très longtemps et voilà, c'est comme ça. Ce qui explique aussi que j'étais pas hyper joyeuse dans les vlogs ni dans mes vidéos, que je me sentais un peu seule, etc., que pour moi c'était un peu difficile bah, parce qu'une rupture c'est jamais facile, surtout au bout d'un an. C'est un an qu'on a passé jour pour jour ensemble, tous les jours, 24h sur 24. À partir du moment où on s'est mis en couple, on a décidé de vivre ensemble. Donc c'était du non-stop, on a plus passé de temps ensemble que de temps loin l'un de l'autre. Donc on vous expliquera pas spécialement les raisons pour lesquelles nous nous sommes séparés. Parce que bah, ça pour le coup, ça reste vraiment du domaine privé. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo, je vous tiendrai au courant si un jour ça se passe. Ben voilà, ça s'est passé. Et donc c'est mon devoir de vous en parler, de vous expliquer que nous sommes séparés. Ce qui explique pour l'instant que je suis chez mes parents. Je n'ai pas trop la force de retourner dans notre appartement à Lyon. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile quoi. C'est pas facile de retourner là-bas. Sachant que c'est un appartement qu'on a pris ensemble. J'ai pas très envie d'y retourner pour le moment. Donc je reste un peu chez mes parents. Et voilà, vous verrez du coup mes prochaines vidéos sur ma chaîne principale seront chez mes parents et non pas chez moi. Et il y a pas mal de choses également qui vont changer dans ma vie. Et que je vous expliquerai sûrement demain ou peut-être plus tard dans les vlogs, ne vous inquiétez pas. Mais bien évidemment je ne vais pas rester chez mes parents indéfiniment. Je compte me prendre un appartement. Mais je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo parce qu'il y a encore pas mal de choses que je dois vous expliquer. Mais voilà, c'était vraiment la chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo parce que je pense que ça a assez traîné en longueur et je voulais tout simplement vous en parler, être honnête avec vous et puis mettre les points sur les i parce que maintenant Danse avec les Stars est terminée et que j'ai besoin de repartir avec des bonnes bases et j'ai besoin de repartir avec les idées claires et j'ai besoin aussi de faire... entre guillemets mon deuil, le mot est fort mais la rupture a pas été, j'ai essayé de pas trop vous le montrer dans les vlogs mais la rupture a été très difficile pour moi et donc voilà, bon
C'est tout ce que je voulais vous dire, je vais pas vous en dire plus dans cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, je vous aime très très fort, je vais arrêter le vlog maintenant je pense. Et quant à moi, je vous retrouve demain dans un nouveau Vlogmas. Je vous aime très très fort et je vous dis à demain.